La Tour Eiffel, la Tour Eiffel,带我隐藏伤感。À Hong Kong, chez moi, une nouvelle vague de migration a commencé, comparable à celle avant la rétrocession chinoise en 1997. Mon peuple si poétique ressemble aux oiseaux migratoires qui volent d'un pays à un autre, transmettant du H5N1. Les pauvres fuient l'arrivée des Chinois du continent, ces nouveaux riches qui dévalisent les magasins Vuitton et les pharmacies tout en crachant dans la rue. Les Chinois ont la fâcheuse tendance à encourager leurs enfants uniques à se soulager n'importe où, sauf chez eux. Certains gamins s'assoient littéralement sur les poubelles publiques. Pour protéger la ville natale, les indépendantistes ont tartiné le bord de toutes les poubelles de la ville avec du wasabi pour donner une bonne leçon à ces petites fesses de mangue. Beaucoup de Hongkongais sont partis dans des pays anglo-saxons. Au Canada, il suffisait de mettre à peu près 2 millions de francs à l'époque dans une banque locale pour avoir la carte de séjour. On appelait ça l'immigration d'investissement, une mesure que le gouvernement canadien vient de supprimer. Alors, moi, je suis venu en France parce que c'est pas cher. Évidemment, on pouvait choisir le pays de ceux qui nous ont colonisés sans nous laisser la nationalité, l'Angleterre. La sélection british est très ludique, avait un questionnaire du style « Avez-vous fait des études supérieures? Avez-vous travaillé dans les fonctions publiques? Connaissez-vous les Spice Girls ?» Trop fortiche ces fish and chips en matière de politique. Aujourd'hui, inondés jusqu'aux bijoux de famille royale, ils sollicitent l'aide européenne sans jamais adhérer à l'euro. C'est comme un père absent qui exige une pension retraite de la part de son fils qu'il avait abandonné. Même Taïwan vient de revoir ses conditions de l'immigration. L'apport financier pour avoir le droit de séjour est passé de 150 000 euros à 250 000 euros. Mais ça fait beaucoup, beaucoup de chaussures Christian Louboutin. Avant de débarquer en France, je dus passer par le consulat de France à Hong Kong pour montrer patte blanche. Une inspectrice très psychologue m'a interrogée à la Mireille Dumas avec des « oui, oui » entre approbation et orgasme. Je lui disais « Orgasme ?»« Madame, moi, aller en Alsace étudier, après revenir en camp, pas vous gêner. » L'inspectrice redoutable et dubitative « oui, mais encore. » »« Ah, j'avoue, j'avoue, après étude-moi trouver pigeon blanc pour papier. » Mais encore. Ah oui, j'avoue. Après, l'argent facile, massage, ravioli, dire connerie à la radio à côté de Maître Daniel. Et malgré tout ça, j'ai obtenu le titre de séjour. C'est pour ça que quand j'entends certains accuser la France de racisme, laissez-moi rire.